nouvelle vidéo pour un unboxing. Alors ça sera notre premier unboxing ensemble, voilà. Un petit unboxing avec ma nouvelle manette. Manette PS4 avec la marque Nakon. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, ne vous inquiétez pas. Voilà, toute manette PS4, stylé, on va l'ouvrir ensemble. Et voilà. Alors les poteaux, c'est bon, on l'a ouverte. Alors elle est là. Alors je vous dis le prix, elle coûte 59 euros et quelques. 60 euros. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va découvrir ça tout de suite. Il y a la manette. On va ouvrir ça, voilà. On va le reconstituer. Une petite couleur avec quand la bouche est stylée. Je vous mettrai, je pense, à la manette dans la description. Et juste avant que je vous montre là-dedans, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars, et de liker cette vidéo. Ça te fera plaisir. Voilà, on a aussi un petit guide pour montrer ce qu'il y a dedans, comment elle fonctionne, tout. Une petite image de leur site Nakon. Voilà. Avec leurs différentes manettes, regardez, elles sont belles. Hein. Voilà. Ils vendent aussi des petits casques. Voilà. Alors, on va découvrir tout de suite la manette. Alors, les potes, derrière, il y avait un petit fil de 3 mètres. Un fil de 3 mètres, plus la manette. Hein. Voilà, les bonnes touches. Un petit joystick. Alors, vous me verrez jouer la prochaine fois avec cette manette-là. Je pense que ça va être beaucoup plus fini. Tant que je m'habitue, parce que c'est pas pareil que la manette PS4. Je vais vous montrer la manette de PS4, ok. Alors voilà les potes, c'est un peu la même chose. Hein. Je pense que celle-là est un peu plus petite. Qu'on voit par contre, elle est sale, ma manette. Hein. En fait, j'ai changé parce que regardez derrière. Ça commence à se péter. Les boutons derrière. C'est ça que j'ai changé, mais celle-là est beaucoup plus belle. Hein. Voilà. Bon bah les gars, ça va être la fin de cette unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao.